Salut à tous les défenseurs d'Arsenal qui ont tiré et absent des terrains entre 4 et 6 semaines d'Arsenal. Quant à Marcus Rashford, il sera apte contre Grenade du côté de l'Euro. Amsterdam et Bilbao par promettre des stades de remplis de à 25% si la situation sanitaire s'améliore. Quant à l'Italie, le gouvernement italien donne son feu vert pour du public à Rome à l'Euro. Monaco a gagné face à Metz en Coupe de France. Au tir au but, 5 tirs au but à 4 du côté de Brest. Romain Favre n'a pas joué du côté de n'a pas pu jouer à Lorient pour une mauvaise communication. La Ligue professionnelle de foot lance une chaîne de Liga sur Twitch. Angers sera privé de Loïc Diony et de Farid El-Meyaoui face à Sedan en Coupe de France. Et Angers est de retour au Prud'homme face à Olivier Piqueux et Cheikh Ndoye. Du côté de Nantes, Nantes soutient Lucas Lusa, qui a été victime de menaces de mort et de propos racistes. L'UCPF a annoncé a voté en faveur d'une fusion des syndicats de clubs. Il sera présidé par Laurent Nicolas Pirlo et au courant de la rencontre entre Agnelli, le président de la Juve, et Allegri, ancien entraîneur de la Juve. On apprend également qu'il y aura un mouvement de grève à Mediapro en France. Coutinho va manquer la Copa América cet été. Van der Vaart conseille Harry Kane de rester en Angleterre la saison prochaine. Il a déclaré c'est le meilleur attaquant du monde avec derrière les Van de qui c'est l'âme de Tottenham. Pour ma part, je lui conseille de changer d'air et de privilégier un club anglais comme une attitude de rejoindre un club contre, comme le Real ne serait pas une si bonne chose, tant les Britanniques ont du mal à s'adapter à l'Espagne. On apprend que Suarez est blessé à l'entraînement. Boateng va partir cet été du côté du le Bayern le laisse gratuit. Le Hertha Berlin a viré son entraîneur des gardiens pour des propos anti-migrants et homophobes. La FIFA suspend les fédérations pakistanaises et tchadiennes. Kevin De Bruyne prolonge jusqu'en 2025 avec City. On apprend que José Mourinho a une clause spéciale dans son contrat qui est jusqu'en 2023. En cas de licenciement, il pourrait pas recevoir des indemnités bien plus bas que les 34 millions demandés par Mourinho pour ces dernières années de salaire. En Italie, Marco Pessina est le 8e joueur
della selezione italiana testero Covid. Le famiglie di banchetto sono chiuse di Savia Fabio, soupçonné de racisme sont les camarades des rangers après leur interrogation en mars. Le Festival international Espoir de Toulon, ex-tournoi de Toulon annulé en 2020, se déroulera du 3 mai au 13 juin en l'absence d'au moins 10 sélections dont la France et 5 autres qualifiées pour les Jeux. En tennis, j'ai Simon. S'est imposé du côté de Calgary face à Stefano Traviglia, 1-6, 6-3, 6-4, contre Kristina Vladenovic, 7-5 au premier tour de l'Open de Charleston face à Charlie Rogers, 6-4, 6-3. En basket, Monaco s'est imposé face à Gran Canaria en demi-finale de Eurocup 92-77. En Coupe de France, Dijon a gagné face à Orléans 107 à 74 en demi-finale de la Coupe de France. En basket féminin, Bria Arthier est forfait pour l'Euro. Du côté du cyclisme, Nacha Bouani est forfait pour le tour du Pays Basque. Alex Aramburu d'Astana a gagné la deuxième étape du Tour du Pays Basque, tandis que l'UCI soutient Nacha Bouani, qui a été victime d'insultes racistes pour les réseaux sociaux. La Groupama FDJ se retire du Grand Prix de l'ESCO après un cas Covid. Remco Evenepoel prolonge ses deux chroniques Quick-Step jusqu'en 2026. Les mondiaux de BMX Freestyle Park et Fiat seront à Montpellier du 4 au 8 juin. En natation, le nageur britannique Jacques Brunel prend sa retraite. Il ne participera pas aux JO. En ski, Petra Vlhová, vainqueur du Golfe de Cristal cette saison, s'entraînera plus avec son entraîneur italien Livio Magoni. En athlétisme, au féminin, Claude Boxberger est suspendu 2 ans pour dopage. En rallye, Stephen Petersen va s'engager au Dakar 2022 avec Édouard Boulanger, le star du baseball de la MLB, se déroulera à Denver en JO. La flamme des JO de Tokyo est interdite sur la voie publique d'Osaka. En cas de judo, le coq sportif devient
Je parle ton air officiel de la Fédé. Le DTN du karaté japonais va démissionner car il est accusé de violence et d'insultes. La justice suspend la construction du village média des JO de Paris 2024. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.